Yeah, bonjour à tous les amis, c'est FuseMC, nouvelle vidéo sur le serveur King War. Pour une présentation, j'avais déjà upload leur trailer et une vidéo let's play sur le serveur. Je réupload une vidéo dessus parce que le serveur reset, il réouvre ce samedi à 15h ou à 16h. Je mettrai toutes les informations importantes dans la description, site, date d'ouverture et leur TeamSpeak, tout ça. Donc voilà, pour ceux qui ont un grade YouTuber, tout ça, allez sur le TeamSpeak. Donc voilà, le serveur réouvre, reset, c'était la bêta, là, il passe en version 1 officielle. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là ici, ça a été modifié, ça aussi, mais vous pouvez l'enlever maintenant, le truc en bas à droite. Les CPS ont été ajoutés. Et, une ally par maximum, il n'y a pas de truce, il y a un bloc X-ray, comme ceci. Voilà, voilà comme vous pouvez voir, le bloc X-ray, merde, j'ai cassé la warzone. Je casse le serveur en direct, ça tourne mal. Hop, comme vous pouvez le voir, le bloc X-ray qui est achetable que au shop, il est achetable que au shop, pas sur le site, rien du tout, que au shop. Après la hook qui... Attendez, ça j'ai MS. Par exemple, les formes automatiques. Vous le faites les formes automatiques. Vous êtes tranquille, vous dites, oh ouais, ça a cassé. Et en fait, non. Parce qu'en fait, ils ont enlevé tout ça. C'est... Il n'y aura pas de formes automatiques. Les hooks vous avez dans les kits, les gars. Bon, regardez. Vous mettez ça FI5, les gars, ça one shot. Donc voilà, en gros, vraiment, c'est un côté plus farm, plus tryhard que de farmer, bah, exactement, bah, automatiquement, juste en FK. Donc, je trouve pas vraiment ça trop drôle. C'est mieux de farmer quand même, où il y a du, quand même de, bah, du jeu, quoi. Le pouvoir, il y a le biome Nether, il y a le nouvel Warzone, biome Nether, biome normal, biome ice et biome sand et argile un peu. Bon, il y a plein de biomes hein. Vraiment dans la Warzone, c'est vraiment et c'est vraiment magnifique ce qu'il a fait par contre le mec, le builder là, c'est vraiment propre. Le biome Nether, c'est le plus beau biome Nether, c'est le plus beau biome. Du coup, voilà, nouvel Warzone comme je l'ai dit, il y a toujours les clés slash home crates. Si on passait des clés, j'ai pas vu ça. Non, bon, en tout cas, c'est toujours les mêmes clés hein, pour ceux qui du coup, je peux pas vous faire gagner les spawners, j'avais gagné tout ça. Du coup, bah, faudrait que je refasse une vidéo let's play. Désolé les gars, vu que ça reset, bah, j'ai plus le spawner ni rien. Voilà, hop. Voilà, comme ceci. Après, les potions, vous pouvez pas. Les potions avant, vous pouvez pas. Bon, je sais pas pourquoi ça veut pas. Les potions avant, vous voyez, genre, c'était. Hop, c'était comme ça. Genre, c'est par 3. Avant, moi, j'étais obligé de faire slash potion. Maintenant, il n'y a plus de slash potion. Genre, vous faites ça, comme ça. Ou ça, vous... par exemple, vous faites comme ça, et puis voilà. Maintenant, c'est plus bugué, rien du tout. Après, les joueurs ont demandé bah, la commande slash HDV. Elle a été mise. Le slash chef aussi, mais le plugin arrive ce soir. Il y a un feuille, pierre, feuille, papier, ciseaux. Je sais pas c'est quoi la commande. Bon, je sais pas comment c'est quoi la commande. Mais pierre, feuille, papier, ciseaux, vous connaissez. Hein. Après, vous avez le RTP. Voilà, le RTP qui était pas aléatoirement. Vous avez un petit kit reset. Qui vous donne pas mal de, bons items. Des pistons, des répiteurs, de l'obsidienne. De la lyrite. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc voilà, les petits kits reset. Après, vous avez toujours les tous vos kits hein, que vous avez acheté sur le site. Tout ça, je suis connecté. J'ai encore mon grade youtubeur pour vous dire. Il y a pas, bah, je crois que j'ai un peu tout dit. Je vais vous faire un peu le workshop. Vous pouvez toujours acheter les spawners in-game. Faites slash workshop, les amis. Putain, merde. Hop, workshop. Ici, potion ingrédients. Vous avez toutes les nouvelles potions, vous avez tous les ingrédients. Les prix sont pas encore faits, mais il est en train de faire les prix. Donc voilà, vous pouvez récupérer un spawner n'importe où avec une clé à spawner, les amis. Voilà, une clé à spawner. Comme il y a l'HDV ici. Et une clé à spawner qui est ici. Récupère un spawner n'importe où dans la. En fait, c'est comme une pioche à spawner. Après, vous pouvez toujours acheter tous ces spawners là qui sont devant moi. Et puis après, vous pouvez toujours acheter ces blocs là. Et blocs, même le bloc qui serait ici. Après, vous avez tous les minerais, toute la nourriture. Voilà. Pour vous dire, vous faites clic droit. Un stack de canne à sucre ça fait 82 monnaies. Donc voilà, après le sac de melon c'est 160. En gros là, avec la une petite ou, je vous dis clairement, c'est un peu facile hein. Je sais pas ce qu'il marque, mais voilà. Après le shop est vraiment stylé, les builds en moi, genre c'est pas vraiment des gros builds. Vous voyez, c'est des builds on va dire assez grands. Mais genre c'est pas vraiment surchargé, parce que les autres trucs, genre vraiment des fois c'est vraiment surchargé de fou. Du coup là, je suis rémunéré pour cette vidéo là. Comme vous le savez, en temps toutes les vidéos de présentation, c'est presque tout rémunéré pardon. C'est pour mon clavier que je suis en train de. Soit mon clavier ou ma carte graphique, je sais pas vraiment quoi acheter. Ma carte graphique, je pense que je vais m'acheter avec la thune que j'ai de côté. Du coup, voilà. Je sais pas qu'est-ce qui marque en fait là. Je crois que c'est pour vendre ou acheter. Du coup, voilà. Au pire, voilà. Venez sur serveur. Ouverture ce samedi. Oui, sur ce, je vous dis au Falescum. Tu peux similaire, les amis. On se capte samedi sur le serveur.